Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en retard d'ouverture Pokémon. Et ça y est, il est là, il est enfin entre mes mains. Vous l'aurez bien évidemment compris, je parle du coffret Ultra Premium de Mew. C'est une beauté intersidérale. Je l'aime trop, voilà, c'est tout. Je l'aime trop, j'étais trop content quand je l'ai reçu. Donc bien évidemment, j'étais excité comme une pupus. Pour l'ouvrir, vous vous en doutez. Parce que j'ai fait ma petite préouverture sur le côté. Vous la voyez pas là? Si, on la voit. Oui, non, on s'en fout. Bon, c'est ma petite préouverture. On va ouvrir ça tout de suite. Oh mon Dieu. Je l'attendais tellement, mais tellement. Et j'avais un petit peu peur, parce que bien évidemment, le temps que j'ouvre un petit racontage de vie, au début, je l'avais précommandé, je crois, le mois dernier, si je ne dis pas de bêtises, sur le site d'Auchan. Parce que pour ce genre d'item, et enfin pas que pour ce genre d'item d'ailleurs, mais je passe très souvent par l'application Choco Bon Plan. Et là aussi, je ne suis pas du tout sponsorisé par Choco Bon Plan, c'est juste que bah, c'est ce que j'utilise, donc au cas où, si jamais ça peut vous servir aussi. Parce que, bah, comme son nom l'indique, ça fait partie des bons plans pour un petit peu tout, que ce soit bah, la pop culture, donc que ce soit des mangas, des DVD, des jeux, des figurines, des. Enfin voilà. Et je ne savais pas effectivement qui faisait aussi les cartes Pokémon de temps en temps. Et je me suis dit, bah ça paraît logique puisque. Bah, pop culture oblige. Donc du coup, il y a eu un bon plan qui s'est fait sur, oh mon Dieu, il est beau, qui s'est fait sur donc bah, le site pour dire allez-y, les précommandes sur le site d'Auchan sont ouvertes, allez-y sans problème quoi. Du coup, tu fais ok, très bien, bon bah allons faire ça. Sauf que bah, j'ai commandé, le machin ça m'a dit bien sûr, pas de problème, commande validée, prise en compte, tout ça, du coup forcément moi j'étais complètement refait, parce que je me suis dit vas-y, let's go, c'est beaucoup trop bien. Et en fait, bah, il s'est avéré que je fais partie des personnes pour qui les précommandes ont été annulées parce que beaucoup trop de commandes ont été faites et pas assez de stock, enfin je veux dire, vous, la classique quoi, vous connaissez. Alors du coup, oh mon Dieu, tout ça, c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien, voilà, je vous le mets quand même, hein, bon, on va les voir mieux, bien sûr, tout de suite, mais oh, c'est incroyable. Bref. Donc du coup, bah voilà, j'ai fait partie de ceux pour qui les précommandes ont été annulées. Du coup, bah, j'ai déjà un peu le seum, hein, on va pas se mytho. Et j'ai eu de nouveau une alerte sur le site de Micromania cette fois-ci. Donc à Micromania, pour les membres premium, là, on avait possibilité de le précommander. Du coup, j'avais un peu peur, mais je me suis un peu jeté sur la notif. Et j'ai réussi du coup bah, à passer commande. Il y avait bien marqué commande validée et tout, mais bon, vu ce que j'avais eu juste avant avec Auchan, j'étais un petit peu sceptique, vous voyez. Mais non, non, le machin, il m'a bien mis pas de soucis et tout. Et je revoyais même des posts sur Facebook qui disaient, bah moi j'ai aussi réussi à l'avoir et tout. Est-ce que Micromania expliquait que justement sur, pour une fois, les commandes, parce que je critique beaucoup Micromania, hein, parce que leur site et leur appli, y allait un petit peu, hein, voilà. Donc quand ça va mal, je critique, quand ça va bien, il faut le dire aussi. Ils ont fait l'effort de, comment dirais-je, filtrer les commandes qui ont été faites bah, par des bots, donc qui ont été faites ultra rapidement en 0,5 secondes quoi je pense, et les commandes qui, bah, comme la mienne, ont pris genre 5 minutes le temps de rentrer toutes ces petites infos et que le site ne rame pas, tout ça, hein, voyez? Donc du coup non, c'est passé. Donc pour une fois, bah, clap clap à eux, parce que bah ils ont réussi quand même à enlever un petit peu les scalpeurs. Alors je pense que. Il a dû quand même y en avoir, hein, des scalpeurs, mais beaucoup moins, donc ce qui permet aux collectionneurs et aux pauvres moldus comme moi de pouvoir mettre la main sur cet item. Bon, j'ai trop parlé, on veut l'ouvrir. Allez, ouvrons tout ça. Oh, il y en a une qui s'est fait la malle. Bah, comment dirais-je, des vidéos que j'ai vues, j'ai l'impression que c'est toujours la même en fait. C'est. Ouais. C'est celle-ci. Oh mon Dieu, qu'elle est belle. Alors, vous allez peut-être pas pouvoir le voir. Attendez, je vais essayer de. J'ai essayé de monter comme ça. Oui. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Parce que forcément, ben, j'ai pas trop de place avec mon petit bureau. Vous voyez mes PC derrière et toutes mes doubles de Pokémon qui sont dans le coin. Mais donc voilà, ça se présente comme ceci. Hop, on va le remettre comme ça. Et donc du coup, parlons de la toute première carte qui me tombe dans les bras, à savoir du coup la carte en métal. Parce que effectivement, moi, quand il disait carte en métal, au début, quand j'ai vu les trucs, je me suis dit, bah en fait, c'est juste le Mew Gold. Et en fait, non, elle est vraiment.
en métal. C'est vraiment le truc. Bon, j'avoue que vu comme ça, on a vraiment l'impression que c'est un truc un peu cheap, fausse carte, merci, comment ça s'appelle, AliExpress. Mais voilà, donc du coup, non. Le seul truc qui est un peu de moche, c'est que bah, il est laissé en comment dirais-je, en anglais. Ils auraient pu la mettre en français pour les coffrets français, mais bon. Elle est jolie quand même, donc mettons-la de côté. Alors par contre ça, du coup, comment ça va s'ouvrir? Oh, mais ça s'ouvre comme ça, c'est très mignon. Enfin, ça s'ouvre. Ça s'est mis sur le côté, c'est très chou. Comment je vais ouvrir ça pour ne pas... Oh, c'est sur le dessus. Oh, ils ont pensé à tout. Mais oui. Oh mon Dieu, elle est belle. Oh mon Dieu, elle est belle. Oui, je sais, je suis en train de m'extasier, mais elles sont trop belles. Attendez, je vais remettre ça dessus si j'y arrive. Ok, on est bon, j'ai réussi à tout mettre le truc. Alors ça, oh mon Dieu, elles sont belles. Mon Dieu, elles sont trop belles. Bon, alors, oh mon Dieu, il y a plein de choses là-dedans. Il y a plein de petites choses. Alors nous avons, ah, c'est protégé par un plastique. Donc ça, c'est très bien, comme ça évite de se balader. On va quand même l'ouvrir, si j'arrive à l'ouvrir justement. Ah, oh, pardon, je vous donne un coup, mais c'est pas possible. Voilà. Hop. Voyons voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Bon, les petits jetons, on s'en fout. Mais par contre, le jeton Shine Bright Like a Diamond de Mew. Oh, il est trop beau! Oh mon Dieu, je suis trop fan. Il est incroyable, je l'aime trop. C'est mon petit Mew en plus, donc forcément, je ne peux être que ravi. Hop, des petits dés, parce qu'ils sont tout mignons. De petits roses, bon, on s'en fout. Et un... Il y a quelque chose dedans? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans. Je vais devoir l'ouvrir. Ça m'intrigue, j'avais l'impression que le truc était vide et en fait non, il y a quelque chose dedans. Alors attendez, je vais ouvrir ça et on se retrouve tout de suite. One eternity later. Ok, c'est tout bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc du coup, petite poche à deck. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ah, c'est le séparateur. Ok, c'est ça qui faisait du bruit. C'est le séparateur de deck. Oh, comment dirais-je? En petit imprimé pastel, comme ça, je trouve ça très, très élégant, très sobre. C'est très cool. Bon, et ben on va remettre ça là-dedans. Voilà, refermons tout ça. Et surtout, bien sûr... Oh, j'avais pas vu. Je n'avais pas vu le Magnify. Oh, ben je sens qu'il va très certainement remplacer ma petite... Oui, je vais le garder. Enfin, je vais le garder. Forcément, je vais le garder. Mais je veux dire, je vais le garder dehors. Il va remplacer ma petite Rosemary, même si je t'aime beaucoup. Mais là, oh, c'est mon Mew d'amour. Donc bon, hop. Et regardons forcément tout ceci qui nous attend. Regardez-moi la masse de boosters, mon Dieu, c'est trop bien. Ça, j'avoue que c'est trop cool. Parce que bon, c'est juste dommage que ce soit en mode ultra premium et que bah, forcément ultra cher et ultra rare. Mais ce que c'est. Vu qu'il n'existe pas de display, bah du coup, 16 boosters d'un coup, j'avoue que bah, c'est vraiment le truc le mieux si on veut ouvrir à balle. Sauf que vu que c'est quand même très rare, si on veut juste ouvrir pour ouvrir, bah forcément, en plus de ça, c'est pas le plus rentable vu le prix et surtout bah, le prix de revente. Bref, regardons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 boosters dedans. C'est trop bien, mon Dieu, je suis trop ravi. Alors du coup, remettons. Oui, je sais, cette intro est toujours beaucoup trop longue, vous le savez. Le Mew Gold qu'on a vu en métal, donc il est là. Oh mon Dieu, elles sont trop belles. Le Mew X en promo, il est trop beau. Il est trop beau. J'adore cette carte. Voilà, j'adore cette carte. Je suis trop fan de cette carte. Et le Mewtwo. Et le Mewtwo, oh mon Dieu, il est tellement badass. Oh, il est incroyable. Cette carte aussi. Les promos de ce coffret, elles sont insane. Franchement, j'avoue que oh, elles sont incroyables. Bah, ça me fait penser un petit peu quand même à l'ultra premium de Dracaufeu, hein. Forcément, on est obligé de faire un petit parallèle quand même dessus. L'ultra premium de Dracaufeu, pareil, les promos étaient juste incroyables. Bah là, c'est pareil en fait. J'ai vraiment l'impression que les promos des ultra premium, elles sont juste sublissimes. Voilà, je suis trop fan. Bref, commençons tout de suite. Allez, je les ai laissés dans l'ordre comme ça. Donc, du coup, de toute façon, c'est que des 151. Donc, on va s'ouvrir tout ceci. Oh mon Dieu, je suis trop content. Oh, j'ai trop hâte. Depuis le temps que je l'attendais, ce coffret, depuis le temps. Oh, vite, ouvrons tout ça.
Parce que là, il me faut ma dose 251. Il me faut. Allez, c'est parti. Commençons par un Smogo. Oh, le psycho. Ouais, qu'il est trop beau. Mon petit Abo. Un petit Osley. Oh, le Kikli qu'on n'avait pas vu, qui est incroyable. J'aime beaucoup. Ah, mon Carabaf. Eh ben voilà, ça y est, je ne t'avais pas. Ça y est, je t'ai enfin. Oh, il est trop beau. Bah, il ne manquera plus que Tortank. Petit Hypnomag, qui est incroyable. La première river, ce sont les lunettes de protection. On commence gentiment avec un petit Otaria, encore, en reverse. Et enfin, c'est Pyroli. Bah, c'est dommage, je l'ai déjà. C'est de Aquali, Voltali et Pyroli. C'est Pyroli que j'ai déjà. Pas de foil. Donc, ben, bon, on commence gentiment. Est-ce que je vais avoir la place de tout mettre ça? Ça, par contre, ça va être une autre paire de manches. Mais bon, commençons gentiment avec un petit Pyroli. Ça reste quand même une évolution, donc allez, on va se dire que c'est quand même sympatoche. Hein, on commence gentiment. Si on avait des dingueries à chaque booster, pour moi ça m'irait, hein, on va pas se mytho. Mais bon, allez, continuons. Goopix Magnéti, on va quand même aller un peu plus vite parce que 16 boosters, cette intro est déjà beaucoup trop longue, donc je me doute qu'il y en ait déjà la moitié qui sont partis. Chenipan, le petit Evoli, justement, on parlait de toi, mon beau. Oh, le Onyx, que lui aussi est très sympa. Oh, mon Draco, qu'il est beau. Oh, en plus, avec l'effet comme ça, ça fait très, très Van Gogh. Oh, j'aime beaucoup. Oh, cette carte est trop belle, mon dieu, mon Draco. Mais voilà, j'ai eu Mini Draco, j'ai mon Draco maintenant, j'ai eu Dracula, ça y est, j'ai la Sainte Trinité. Oh, le Hypocéan, qu'il est beau, j'ai que des cartes que je n'ai pas, c'est trop bien. Oh, le Sulfura en reverse, qui est trop bien aussi, parce que je l'avais en holo, il me fallait en reverse. Oh oui, let's go, c'est qui, c'est quoi? Oh, mon Carabaf. Oh, trop bien, il est beau. Oh, qu'il est trop beau. Oh, mon Dieu, oui. Oh, le premier hit de ce coffret ultra premium. Oh, il est incroyable, le Carabaf. Oh, il est beau. Et enfin, petit Dardarian que je n'avais pas en normal et pas de foil, on s'en fout. Mais voilà, je l'avais en reverse, je ne l'avais pas en normal. Bon, c'est cool. Bon, par contre, bon, je vais... Désolé, mon petit Pyroli, mais je pense que sinon, j'aurais largement pas assez de place. Ouais, de toute façon, j'aurais pas assez de place, en fait. Oui, je prévois d'avoir énormément de dingueries. Voilà, on essaye de se la faire de façon optimiste. Donc voilà, je remets que les cartes exceptionnelles, à savoir le Carabaf. Oh mon Dieu, il est trop beau. Il est incroyable. Donc voilà, je suis refait. Allez, continuons ceci. J'adore tout simplement. Hop, voilà, pour le petit Carabaf, parce que le petit Carabaf, il est trop beau. Allez, continuons ça. Encore un petit Goopix. Petit Magnéti, Chenipan. J'ai comme un air de déjà vu. Evoli, j'ai... Ah, Tartare, merci. Non, parce que hein, quand même, j'avais un petit peu peur. Alors, oh, le roux carnage, très sympa aussi. Un petit Ammonita. Ensuite, la première reverse, le bandeau rigide. Je sais pas si j'étais en reverse. Ensuite, non, c'est qui? Ortiz. Oh, bah, j'étais même pas en normal. Au moins, j'étais en reverse. Et enfin, oh yes, une petite ex de Arbok. Let's go, que je n'avais pas non plus. Petit foil, non, pas foil. Arbok en ex. Oh, bah voilà, troisième booster, deuxième hit. C'est cool. C'est très cool, une petite ex, voilà, on est content, ça avance bien, il nous en faut, donc j'avoue que j'ai vu franchement certaines ouvertures, et puis même ma meilleure pote, hein, forcément, qui a partagé sur Insta, sur Facebook, ou tout ce que vous voulez, son drop, j'avoue qu'elle a eu un drop qui était quand même pas mal du tout aussi, donc j'avoue que j'ai un petit peu l'espoir d'avoir des dingueries aussi. Tas de morve, oh petit Hospico, il est trop beau, j'adore ce style. Le petit Nosferapti, le poids sirène. Oh, Kabuto, je ne t'avais pas vu. Oh, il est trop beau. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah bah tiens, le Hortid, justement, on en parlait, il est là. Bah ça y est, maintenant je l'ai en normal. Trio Picker, que je n'avais pas non plus. Donc Miki Tanaka, même si je t'aime pas beaucoup, au moins là, je t'ai. Oh, le Fossil Dome, très sympa. Je n'étais pas en normal, mais au moins je t'ai en reverse. Et bah, la deuxième reverse, Féroce Singe. Et enfin, non, on continue avec un Raichu. Donc c'est un booster normal. On peut pas gagner à tous les coups. Mais franchement, la petite dinguerie, s'il vous plaît. Parce que paraît-il que il existe des God Packs
Et bah, je n'en ai jamais eu, bien sûr, vous en doutez. Donc j'avoue que, juste histoire de voir si ça existe vraiment, si vous pouvez m'en donner un, écoutez, Tentacool, Ratata, oh petit carapuce, il est trop beau, je l'aime beaucoup. Excellent, Papillusion, que j'aime beaucoup aussi. Oh mon Loclass, je ne t'avais pas. Oh qu'il est beau, oh il est incroyable, j'aime bien. C'est qui? Lynn? Linné? J'aime beaucoup ton style, je t'aime. Piste cyclable, on s'en fout. Ensuite, un petit Magneti encore. J'ai l'impression de t'avoir en reverse. Je crois que c'est au moins la troisième fois. Je n'en peux plus de cette carte. Rondoudou en reverse aussi, très mignon. Et enfin, ouais, j'avais vu que ça shine bright like a diamond. Et en fait, non, c'est Staros. Staros, très sympa. Pas de foil. Bah, c'est cool. Je crois que je ne t'avais pas, il me semble. Donc, c'est très très bien. Ensuite, continuons. Oh, il y a tellement de boosters. Oh, ça pourrait être tellement de possibilités de dinguerie. Oh, c'est... J'ai envie d'avoir la carte insane. J'avoue. Mais oui, mais en même temps, que voulez-vous? Là, c'est la passion qui parle. Evoli, focus, s'il te plaît. Merci. Evoli, encore petit Admorve. Ombati Aspico, qui est trop mignon. Nosferapti, là aussi, j'ai des airs de déjà vu. Piste cyclable. Petit insécateur que j'aime beaucoup. Reptincel. Première reverse. Oh, c'est mon Draco. Bah voilà. Je ne t'avais pas en reverse. Maintenant, je t'ai en reverse. C'est incroyable. Deuxième. Carabave. Bah, pareil aussi. Et enfin, non, c'est... Oh, le Vénard. Je ne t'avais pas, petit... Oh, et encore une petite foil de l'énergie psy. Bon, toi, par contre, l'énergie psy, je t'ai déjà en foil. Mais petit le Vénard, que lui, par contre, je n'avais pas. Donc, c'est très, très cool. Mais j'avoue que, ouais, c'est la troisième fois que j'ai l'énergie psy en foil. J'aimerais bien les autres énergies, genre, bah, je sais pas, feu, électricité, feuille... Quelque chose comme ça, quoi. Parce que, mine de rien, je les veux toutes, hein, bien sûr, vous vous en doutez. Alors, continuons. Petit Mimitos des familles. Je sais pas si le focus se fait ou pas. Un petit Tétarte. Et en fait, j'ai vérifié, je n'ai pas petit art, donc il me faut petit art. Coconfort. Ah bah, voilà, je l'ai pas fait exprès. Franchement, je le savais pas. Ah bah, c'est parfait. Voilà, il me fallait petit art. Et ben bah, voilà, c'est chose faite. Oh, il est trop chou. Bah, j'ai besoin d'un Mewgold. Vous pouvez me donner un Mewgold, s'il vous plaît? Non, mais bah, si ça se fait comme ça, en vrai, moi, je veux bien. Non. Reptincelle. Petit Parasect des familles. Ensuite, mon petit Loclass en river. Il est incroyable. Ah, j'aurais pas mis mon Mewgold, c'est dommage. Petit Paras. Et enfin, un petit Nidoking. Oh, très très cool. Et pas de foil. Nidoking que je n'avais pas. Donc c'est très cool. C'est bien. Bon, par contre, là, les hits commencent à se faire un petit peu rares. C'est... Ils se font désirer, quoi, on va dire. Donc, bon... Parce que là, je n'ai que 2 hits, 2 sur 16. Quand même, là, je pense que le... Non. On se souhaite de la chance. On a encore largement de quoi se faire plaisir. Poissirène, petit Nidoran femelle. Je n'ai pas le Nidoran mâle aussi. Fantominus, petit Paras. Le Parasecte, justement. Oh, Charisme de Giovanni, que je n'avais pas. Donc, c'est très, très cool. Le Crustabri, que je n'avais pas non plus. Oh, il est beau. Oh, je crois que j'ai pas Coquillasse non plus, donc il est très très beau, j'aime beaucoup. Ensuite, Coconfort en river, c'est très cool. Ah, c'est une rare, donc c'est Raichu. Et enfin, non, et c'est... Oh, Aqualie! Enfin, j'ai mon petit Aqualie d'amour, j'aime beaucoup. Foil, pas foil. Oh, ça y est, je l'ai. Alors, il me manque Voltali, bien sûr, mais oh, je voulais absolument mon Aqualie. Bon, je les veux toutes, vous me direz encore une fois, mais... Mais Aqualie, non, toi, par contre, je te garde. Parce que, bien évidemment, vous vous en doutez, de Aqualie, Voltali et Pyroli, c'est Aqualie, mon préf. Donc, du coup, non, toi, par contre, je te garde. Il est trop, trop beau, je l'aime beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Oh, puis tenez, voilà. Parce que Aqualie, je suis de bonne humeur. Hein. Pour l'instant, tant que ça continue, on verra si je suis toujours de bonne humeur à la fin de ce coffret. Mais allez, continuons. Mimitos, roux, cool. Viens lire la carte. Oh, petit Hippotrome que je n'avais pas. Il est très chou. Encore petite Tétarte. Le gros Tadmorve. Aide de Nina. Un Aeromite. La première river. C'est une rare en river. C'est Dodrio. Donc, c'est très cool. Ensuite, eh ben non. Nous avons Machopper, que je crois que je ne t'ai même pas en normal. Et enfin, oh, une full art. Let's go, petite full art. Oh, la Kazam. Oh, il est beau. Oh, il est incroyable. Oh, une foil derrière. Encore une foil que j'ai déjà. Mais c'est incroyable. J'ai déjà ces 2 énergies, vous me les refoutez. Bon, tant pis. Oh, trop trop bien. Alakazam X full art. Oh, il est beau.
Il est très beau. Oh, c'est très cool. Oh, bah écoutez, voilà. Troisième hit. Il nous reste encore la masse de boosters. Combien il nous en reste? Tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 7 avec celui-ci. Donc, oui, on a fait la moitié. On a fait la moitié. 3 hits. Bon, c'est un peu timide, on va dire, mais ça va. Au moins, j'ai pas rien déjà. Donc, on va dire que c'est déjà une victoire en soi. Mais non, c'est très cool. Oh, petit Alakazam foulard. En plus, les foulards, mine de rien, bah, tombent pas tant que ça. J'ai l'impression qu'il y a plus de derrière qui tombe que de foulard. Après, c'est peut-être que moi. Hein. Mais bon, on va voir. Oh, petit Chétiflore. Je crois que je ne t'avais pas non plus. Donc, c'est très très cool. Magikarp, carp, carp, il est beau. Petit Féros singe. Oh, mystère, il est trop magnan. Le bandeau rigide, petit Gravalanche, encore les lunettes de protection, le Tentacool en reverse, il est sympa, ensuite, eh ben non, Caninos en reverse, et enfin, non, c'est Ptera que j'ai déjà depuis what mille fois, mais bon, c'est pas grave, tu iras à la vente, ou à l'échange, suivant comment ça se passe, mais en tout cas, bah voilà quoi, on va faire un heureux ailleurs, ah, c'est trop cool. Sérieux, ça, c'est... déjà ouvrir du 151, je suis trop content. Mais alors, ouvrir ce coffret, j'ai réussi à mettre la main dessus. Je n'en reviens pas moi-même, franchement. Je suis trop content. Petit Mysterbe, encore le Ferro-Singe, petit Miaus, le Noneuf, Rhinophéros, un petit Noix de Coco, encore le bandeau rigide, on n'en peut plus, tout le bandeau, Nidoran femelle en reverse, et ben non, on a Topiqueur, et enfin, encore une normale, enfin une normale, une holo, Dodrio, et pas de Foil. Bon, encore un normal, ça commence à baisser, là par contre j'aimerais bien une grosse dinguerie s'il vous plaît quand même, bon j'avoue que le Carabaf m'a mis bien, hein, quand même. On va pas se mytho. J'avoue que je suis trop content de ce Carabaf. Le Alakazam aussi, je suis ravi. Donc, c'est très cool. Mais continuons, il nous faut des dingueries. Ah beau! Petit Osselet, mon petit Gupix. Encore le Magnéti. Lamantintintin, il est trop beau. Je l'aime beaucoup. Oh, le Tignon aussi, qu'on n'avait pas eu. Incroyable. J'aime beaucoup cette carte aussi. Très, très cool. Poisson Roi, mais voilà que des cartes que je n'ai pas. C'est incroyable. Première Reverse, petite Mélofée. Il est très chou. Enfin, ah, merci, voilà. C'est ça qu'on veut. Oh, le Nidoking. Oh, qu'il est beau. Oh, il est beau, il est beau, il est incroyable, il est badass. Et nous avons ensuite encore Pyroli. Et pas de foil. Bon, bah alors, le Pyroli, non. Va-t'en. Par contre, le Nidoking, toi, bien sûr, je te garde. Ah, bah voilà. Une autre petite AR. Oh, elles sont belles. J'avoue quand même, elles sont trop belles, elles sont incroyables. Donc, ouais. Très, très content. Ça continue. Je sais pas comment ça s'ouvre, ce machin. Hop, ça se voit un peu n'importe comment, mais tant pis. Hop. Petit code du Nidoking. Ensuite, continuons. Petit Abo, encore. Osselet, Goopix. Encore le Magnéti, je peux plus te voir, toi, ça y est. Tartare, Hypnomade, Recarnage, Invitation d'Erika. Je suis pas tombé dessus beaucoup, donc je crois que même comme ça, je ne t'avais pas. Ensuite, Miaus, et enfin, encore le Ptera, mais je n'en peux plus. Oh oui, enfin, merci. Ah, une énergie que je n'ai pas en foil. Ah bah, ça fait plaisir. Ah bah tiens, voilà, pour la peine, pour le dérangement. Il reste 3 boosters. 3 boosters, il y a encore moyen. Il y a, de toute façon, même avec un seul booster, il y a moyen d'avoir une dinguerie. Il suffit de tomber sur le booster par excellence, et puis voilà. Alors, continuons. Est-ce que on tombe sur de la dinguerie? Ratata, petit Carapuce, Excellang, Mimitos, le Tauros qui est trop beau, Kadabra que je n'avais pas en normal, donc c'est chose faite. Herbizarre que je n'avais pas eu non plus, incroyable, ça y est, j'ai enfin Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre, donc je suis trop content, c'est trop bien. Oh, le Rapace de Pique, effectivement, que je n'avais pas non plus, bah je n'étais pas en normal, au moins j'étais en reverse. Deuxième reverse, c'est Rhinophéros, et enfin, c'est encore Raichu. Et non. Pas de foil et le Raichu. Raichu que j'ai déjà masse de fois aussi. Allez, avant-dernier. Allez, on continue.
J'espère quand même tomber sur de la dinguerie. Toujours, hein, bien sûr, je continue à le dire, à le répéter, mais c'est un peu mon mantra. Je me suis dit que peut-être à un moment donné, ça allait me porter chance et ça allait tomber. Donc on va voir ça tout de suite. Petit chenipan, petit évoli, un tas de morve, aspicot, ammonita, le tauros, encore le cadabra, la reverse c'est Krabi que j'ai déjà. Oh bah voilà, encore une autre, et c'est qui? C'est... Oh le bulle bizarre, oh mon dieu il est beau. Oh il est tellement mignon, oh je l'aime trop. Oh il est incroyable, oh je l'adore. Et enfin nous avons métamorphe qu'on a déjà, et pas de foil. Hop, alors, attendez que je mette ça bien, voilà. Oh le petit bulle bizarre, oh il est beau. Il est trop beau. Ah, encore une AR. Oh, parce que je suis content. Enfin, je sais pas si ça s'appelle toujours AR. Moi, je les appelle comme ça. Donc, au moins, on se comprend. Hein, voilà. Le dernier. Quel va être le dernier booster, la dernière carte sur laquelle on va tomber dans ce coffret ultra premium. Dernier code pour vous. Et allez, une dinguerie, s'il te plaît. Roucoule. Du tétarte, le coconfort, encore mon petit petit tard. Oh, Flagados que je n'avais pas, donc il est très cool aussi, ça fait plaisir. Matchhopper que je n'avais pas, Lamantine. Du coup, Misterbe en reverse. Eh ben non, nous avons Reptincelle. Et enfin, eh ben non, ce sera Ammonistar que j'ai déjà. Et encore une foil de l'eau. Bon. Et bah bon, on a quoi? Bon, j'ai gardé mon Aquali, mais on a quoi? On a 1, 2, 3, 4, 5 hits et 2 énergies en foil, donc 5 hits sur 16 boosters. Bon, j'ai vu des drops qui étaient mieux quand même, hein, on va pas se mytho, sur 16 boosters. Mais ça va, je m'estime quand même heureux, ne serait-ce que parce que déjà, j'ai eu des cartes incroyables. Hein. Une petite ex quand même, ce qui fait genre, c'est pas comme si j'avais eu que des ex quand même. Voilà, j'ai eu 3 AR et 3 belles AR, j'ai pas eu d'alternative, mais au moins des AR, une full art et une petite ex, donc ça va. Et mon Aquali d'amour. Donc non, je suis quand même très content, voilà, incroyable. J'aime beaucoup ce coffret, c'est par rapport au Dracaufeu de l'année dernière où j'avoue que j'étais un peu déçu parce que j'avais pas tant de hits que ça. Donc non, là ça va, je suis avec tous les hits que j'ai, voilà, je vais pouvoir tout ranger dans mon petit classeur, il est incroyable, je suis trop content, il est trop beau. Bref, et bien sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, j'espère que vous aussi vous aurez pu mettre la main sur cet ultra premium qui aura pas eu trop de scalpers, j'espère pour vous. Et puis dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez eu? Est-ce que vous avez eu un meilleur drop que moi? Là aussi, je vous le souhaite. Et puis, bah, nous, on se retrouve très certainement pour une prochaine ouverture. Passez une excellente journée, soirée, nuit. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.